Crochet. La bataille finale dans ma longue guerre contre Superman. Tandis que ses pouvoirs étaient drainés par le combat constant, l'envoyant dans l'espace pour se recharger grâce au soleil jaune, j'ai frappé. Même mon obsession m'avait aveuglé, cachant la menace réelle du véritable ennemi de la Terre. Cyborg, dirige tes tirs sur Luthor pendant que j'appelle l'artillerie. Deathstroke, il est temps pour toi d'entrer en scène. Nous avons beaucoup de meurtres en attente. Perdu quelque chose? Salutations, ma sœur. Personne ne peut tuer la chauve-souris en dehors de moi! Appelle-le! Qu'il vienne jusqu'à moi! Vaincu par un simple mort. Non, tu as tout perdu. Non, je t'ai battu. Brainiac était de retour.
Depuis des années, ils volaient le pouvoir des protecteurs de la Terre, mais nous étions trop occupés à nous combattre pour nous en rendre compte. Vous trois éliminés, Brainiac se débarrassa rapidement des autres héros. Les plus chanceux périrent au combat. Au final, moi seul ai survécu. Un rat, errant dans les murs de Brainiac. J'ai voyagé dans le temps pour vous prévenir. Ceci est mon passé, mais votre futur. C'est la fin de l'humanité. Ainsi ensemble, nous devons changer cela. Qu'as-tu fait, Vitor ? Je vous ai laissé une chance. Mensonge. Ça fait partie d'un plan. Pourquoi te ferions-nous confiance ? Parce que sinon, la Terre sera condamnée. J'ai volé les exobytes de Brainiac et les ai libérés dans l'atmosphère terrestre. Ils recèlent les pouvoirs dérobés aux héros et criminels de mon époque et les transmettront à quiconque les touchera. Les exobytes créeront une nouvelle race de surhumains pour combattre l'invasion de Brainiac. Vous devez leur apprendre à utiliser leurs nouveaux pouvoirs, car ils doivent prendre place au premier rang du conflit à venir, où mon sinistre futur deviendra le vôtre.